première petite pause au bout d'un quart d'heure de route, juste pour ça, quoi. Pas de bruit. Je t'avais dit que je te ferais kiffer toute ta vie. C'est moi qui t'ai fait kiffer, c'est mon idée, lui non? My beautiful wife. Je I'm so fucking in love. Castellane dans les nuages. Donc, on s'est acheté des sandwichs gras. Et nous allons aller au départ de la rando. Donc, on est au départ. On va se faire le tour de Roubion. 17 km, 800 mètres de dénive. On part un peu dans le brouillard. Et un peu équipé parce qu'il fait 3 degrés, il fait pas super chaud. Voilà. Mais 3 degrés, c'est pas les 3 degrés. C'est, je veux dire, c'est 3 degrés des arbres, de la forêt. Voilà. 3 bon. Degrés d'arbre, c'est. C'est beau. C'est pas 3 degrés de la ville. Bon, ça va, il n'y a pas trop de randonneurs aujourd'hui. On ne va pas croiser trop de monde. C'est censé être une randonnée déserte. Normalement. Allez, c'est parti. My tired feet brought me to that red boat, so still in foreign waters. And although I've never been here, oh, although I've never been here, I know that here I've swam before. On attaque un petit sentier, un peu façon Mont Blanc. Tu sais, le Mont Blanc, là, quand tu passes et qu'il faut courir parce que t'as des cailloux qui vont te tomber sur la gueule. Là, le sentier, on le voit, mais pas se louper, quoi, tu vois ce que je veux dire? Vite devenir. Tu vois, tu peux vite atterrir dans le Verdon en bas. En bas là. Attends, le Verdon.
En fait, c'est ça que c'est dangereux. Exactement. Il veut faire exprès de tomber. Il n'y a rien qui tient. Il veut faire exprès de tomber. Il a même pas d'assurance vie. Je vais rien toucher s'il meurt. Oh, reste là, va. Allez, on enchaîne. Alors, Carole. Oh, l'ami. Alors, tes impressions? On m'entendra pas, je suis trop loin. Ah, mais là, je crois qu'on t'entend là. C'est très, très, très beau. Je suis très contente d'être ici. Ah, et de participer à l'aventure Koh-Lanta. Et je ne pense pas être éliminée au conseil ce soir. D'accord. Tu pourras tenter l'épreuve de confort. Ah, je vais tenter l'épreuve de confort, forcément. Bon, moi je précise quand même que j'y connais rien. Je ne fais répéter que ce que j'entends. Mais moi aussi, hein. Tu crois que je regarde cette merde? C'est de la merde, Koh-Lanta. De la caca. My dog's done by. Those low as you rise. But where you been, girl? Where you been? Oh, smell. Singing too, but your song it ain't sticking. You better change your tune. Well, we all have a purpose, and I found my delight. I'm gonna. Straighten you out right. Oh, straighten you out right. Halte déjeuner. Je la laisse celle-là. Et on est sur une ruine. C'est fort intéressant. Fort joli. Voilà, pause déj. Bon alors là, on va être franc avec vous. Pour midi, comme c'était un peu spécial ce week-end, on s'est juste acheté des sandwichs dans une boulangerie. On n'a pas joué au grand. Mais pour en avoir mangé déjà un ce matin, il passe bien, ça sent pas le truc tout supermarché. En tout cas, le mien était bon. Bon, en tout cas, on va profiter un petit peu.
notre restaurant. Il n'y a pas plus beau restaurant. Too far from the speaker. How not to preach to the choir. The demons run from the preacher, but I know where they hide. All we gotta do is climb. Ooh, you gotta climb up. Ooh, you gotta climb up. Ooh, oh, if you want, bring them down. Allez, vas-y. Mais attends, je me rapproche. Il doit nous rester un demi-litre d'eau pour 10 km de marche. Pourquoi? Parce qu'à Castellane, quand on a bu notre café ce matin, on a commandé une bouteille de 2 litres à la dame. Sauf qu'en partant, la bouteille de 2 litres, elle est restée dans le frigo de la dame de la boulangerie. On s'en est aperçu, on avait déjà bien commencé à marcher. Donc on espère arriver au petit village de Roubion et trouver de l'eau. Même non potable, je la bois un coup, je la chasse. Moi, je perdrais 1 ou 2 kilos, oh, pas mal. Mais belle erreur. Voilà, erreur de débutant. Quoi. Très belle balade, tout va bien, le temps, tout va bien. On n'a pas d'eau. Ah oui. On se rationne et on a une pantoufle dans la bouche. C'est un peu hard. Pantoufle. C'est un peu hard. Il y a de la neige au fond. Et... Ah, le village. On se faisait la remarque en fait que on marche souvent le soir ou quoi, sur du plat. Il nous arrive de faire 10 km, 11 km. Et en fait, on n'a pas soif, quasiment pas. Et là, on fait 3,5 km de dénivelé. On pourrait boire 3 litres. Ah oui. On est quand même au mois d'octobre, il fait 10 degrés. Donc c'est l'importance du truc quoi. Genre d'erreur que tu payes très cher en été. Ouais, très très cher en été. C'est quoi te faire un malaise quoi. Venu, là. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est important de le dire. La prochaine fois, on amènera notre cerveau. Voilà. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc on espère trouver une petite fontaine d'eau pour pouvoir remplir notre gourdasse de 2 litres. Non, même pas, elle fait 1,5 litre. Ouais. Non, mais même acheter une bouteille d'eau. Oui, ça. C'est dimanche. Bled, il y a 3 habitants. Je pense pas. C'est, On va taper aux portes. Si on trouverait, on est mort. Voilà. Adieu. Adieu. Bon, on va quand même faire profiter de la vue. Même si avec cette caméra ridicule, ça rend pas grand chose. C'est beau. C'est très très beau. Alors ça me manquait, ça. Petit poteau électrique. J'ai l'impression que c'est plus un hameau qu'un village. Donc, nous sommes à petit village de Robion. Nous avons pu ravitailler de l'eau, finalement, sans aucun problème. Mais je vais laisser Carole expliquer... Un petit rototo au passage. Expliquez pourquoi. Mais on vient de dire. Non. On n'a pas dit sur la caméra ce qui s'est passé. On a oublié l'eau dans le magasin. Non, pas ça. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, quand ben, on a rencontré une habitante qui venait d'arriver chez elle de Paris. De Paris? On lui a livré son bois en fait. Et elle a une montagne devant chez elle sur le passage pour aller à sa porte. Une montagne de bûches. Elle est en train de pester, elle arrive, elle n'a pas d'électricité. Et on l'a aidé à arranger son bois, à faire une pile pour qu'elle puisse passer, la pauvre mamie. Du coup, elle nous a ravitaillé en eau, prenez, servez-vous, ce que vous voulez. On lui a dit qu'elle nous avait un peu sauvé la rando. Voilà. Après, on ne sait pas du tout s'il y a une fontaine ici, mais... A priori, il y en a une, mais elle ne sait pas s'il y a de l'eau. C'est
s'en fout, on a la gourde pleine. Voilà, on a pu se gaver de flotte. Et voilà. Et donc là, priori, nous sommes sauvés des eaux. Elle cherche des champignons. Elle cherche tout le temps des champignons. C'est une oxyde des champignons. Trickle down, all you get is a trickle. Told how to live large, all you get is a little. Leave you stranded in the middle with nothing left to stand on. You gotta climb up. You gotta climb up. Oh, if you want to bring them down. No time for that. Come and take too long. The devil rides first class. But we'll take it back. Pass it all around. Ooh. You gotta climb up. Ooh. We gotta climb up. Ça fait un beau final, hein. Ouais. Ça gratifie d'un beau final. Donc on est à 200 mètres, je pense, ou 100 mètres du parking. Et c'est sublime. Encore. Et bon, une bonne bière. On a fini. On s'est posé dans un petit bar de routard. De motard et routard. Tout comme à Castellane et ouais, lui trinque pas, boit. Et santé. Mais pas des pieds. Ah, je l'ai faite. Ça arrache. Ah ouais, faut conduire après. Voilà, c'était super bien. On aurait pu marcher encore 10 km. Rando conseillé, si vous êtes dans le coin, allez-y. On a croisé quelques groupes de personnes. Ouais, elle nous a donné des figues. Ce monsieur. Que de moi. Qu'est-ce que tu fais? Putain! C'est beau que de moi sous prétexte que c'est son anniversaire aujourd'hui et qu'il se mange un an dans sa gueule. C'est beau que de ma façon de conduire. Genre, je conduis comme une nerveuse et lui, qu'est-ce qu'il fait? Je conduis à la Marseillaise et tout ça. Pardon? On est Marseillais, not. C'était ça hier. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a là? Croque quoi lui? Tu vas se pousser là? Qu'est-ce qu'il a? Attends, je vais vomir. C'était ça hier. Je viens de manger une moitié de gros gaufres immondes qu'ils ont sorti d'un sachet, qu'ils ont réchauffé. T'en fais croire que c'est eux qui l'ont fait. Caramel, je suis des amandes. Il n'y avait que les amandes de merde. Bref. Le caramel chimique, il était pas mal. Ouais.
mais toi le chimique c'est ta cam. Car le chimique était pas mal. Et il se moque de moi, mais tu veux me user comme ça, aujourd'hui je ne peux plus. Alors je lui ai mis une musique super douce et tout, j'ai dit parce que si je te mets une musique, il m'a demandé du Bob Marley. Bon allez, le mec il vient de marcher 15 km, il m'écoute Bob Marley. Mais why? J'ai dit si je te mets du Bob Marley, c'est, tu vas plus te sentir. Tu vas chanter? Non, on a 2 heures de route, on a 3 animaux psychopathes à retrouver, ils vont nous faire une fête, laisse tomber, moi je vais m'enfermer, je veux pas les voir, parce que ça va me stresser. Louise? Ça va m'oppresser. Louise qui n'a pas randonné, qui est restée. Non mais Louise, on va vous la filmer. Louise, on va arriver, on va vous la filmer. On va faire un film de Louise. Vous savez pas, parce que bon, les chiens, on sait qu'ils ont pas le sens de... du temps, la chronologie. Comme nous. C'est un poisson rouge niveau cerveau, tu vois, que tu partes 5 minutes acheter du pain ou que tu partes 6 jours, c'est pareil, tu fais une fête de folie. On va filmer le retour de Louise. Oui, on n'a pas hiké Louise. Notre retour, Louise. On a tous les deux expliqué pourquoi on n'avait pas hiké Louise ce week-end. Donc j'étais partie pour dire que tu te moquais de moi, que tu conduisais mal. J'ai pas dit que tu conduisais mal, voilà. Bon bref, de toute façon, on s'en fout. Nous, on a passé un super week-end. On a déconnecté, bon déjà qu'on n'est pas super connecté. Déjà qu'on a du mal à être connecté en général. Déjà qu'on n'est pas super connecté et qu'on n'a pas d'amis parce que tellement qu'ils nous prennent pour des tarés, bah, ils ne veulent pas nous parler. Quand même, à part cette semaine, elle me disait, et toi, t'es tout le temps là, hein? T'es tout le temps bon, là, t'as pas de potes? Toi t'as pas de potes, t'es moi tout non, seul. Moi non plus, donc nous n'avons pas d'amis. Nous avons une famille qui nous supporte à peu près. Tant bien que mal. Bon, je peux finir de parler parce que tu m'es une trompe. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on s'en fout, on a marché, on est bien, tu es en train de te rouler à gauche. Attends, tu n'es pas en Angleterre quand même. Attention qu'il y a des gens sur le pont, ils veulent vivre. Ah ouais, le pont, on ne peut pas y aller. Et à part, on a marché, on était bien. De rien d'autre. Donc la morale de l'histoire, c'est vivez pour vous, pas pour les autres. La nature s'en fout. La nature s'en fout si vous avez des baskets Quechua ou des baskets Salomon à 1 500 euros ou si vous avez les derniers bâtons, dernier cri. Vivez pour vous. La nature s'en fout. L'arbre, il vous regarde pas. Hein, vous savez, on voit des gens, on croise des gens quand on va boire des coups, quand on marche. On a croisé des randonneuses aujourd'hui, deux randonneuses avec un papy là. On leur a dit bonjour et tout, on était prêt à dire bon appétit, mais tellement qu'elles étaient désagréables, on n'a plus osé parler du coup. Ça bouge, hein. Et l'apparence, vous voulez faire passer un peu des petits messages dans ces vidéos. L'apparence, ça sert à rien. Voilà, je marche avec un pull de merde. Et j'avais un petit col roulé, j'étais contente, je me suis dit ouais, il va me tenir chaud. J'ai une écharpe que j'ai tricotée, Fred a un tour de cou que j'ai tricoté et il est obligé de le mettre sinon je m'engueule. Non, j'adore. Et on s'en fout. Si vous êtes à l'aise dans vos vieilles baskets pour aller randonner, peu importe. Nous, on se serre la ceinture pour se prendre des bonnes chaussures, pour randonner, pour se tenir la cheville, pour être à l'aise parce qu'on se fait vieux et qu'on n'a pas envie de se péter une cheville et plus jamais marcher de notre vie, ça serait dommage, on aime bien ça. Et sinon on s'en fout, tu mets une jean, tu mets le dernier pantalon, le dernier cri, tu vois les clubs des alpinistes là, on dirait un défilé de mode, il y a des codes, t'es alpiniste, il y a des codes, quand t'es motard, là où on a mangé la crêpe, il y avait des motards, putain, ça roulait des mécaniques, quoi, où le motard, il est là, il te regarde de haut, presque, il t'écrase avec sa grosse botte de moto. Ton mec a été motard pendant 20 ans, quand même, hein. Oui, il a été motard, mais il est humble, tu es humble dans tout ce que tu entreprends et dans toutes tes démarches, tu es humble, c'est comme ça. Et là, ça y est, il met le cul sur une moto, il se sent plus... Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire caca comme tout le monde ce soir ou demain matin, hein, moi aussi. Hein. Donc voilà, face à la nature, ça vous apprend, la nature vous apprend l'humilité. On arrête les conneries, le matériel, le ci, le ça. Ouais, c'est clair. Et si je suis pas habillée comme ça, c'est on va clair. Me regarder de haut. Et si je suis pas si, je sais, tu t'en fous. Si tu as envie de marcher en string, tu marches en string. Tu as roté? J'ai roté. T'as roté pendant mon monologue. Je suis désolé. Il vient de tuer mon monologue. Non, mais je suis désolé, mais c'est pas bien. Donc, back to basics. Back to basics.
On va finir ce week-end sur ça, back to basics. Soyez vous-même. Et pour profiter de la nature, vous avez besoin de 0 euro. Les politiciens n'ont rien à voir là-dedans. Ils ne peuvent pas vous mettre la pression sur vos marches en pleine forêt. Le système n'a rien à voir. Vous êtes libre. Marchez, vous êtes libre. Vous pouvez marcher 1 heure, putain, 2 heures, marcher, ouais. 18 heures, 45 heures par jour. Ceux qui font le PCT, oh, ce ne sera pas nous parce que c'est trop loin. Et puis, on ne peut pas y aller aux États-Unis. Ce sont Trump, c'est un con. Et voilà. Putain, c'est beau, là. Ouais, c'est beau. Je parlais. On parle dans les gorges du Verdon. Hein. Oui, on est dans les gorges du Verdon. C'est beau. Voilà, profitez. On va enfiler une paire de baskets, une survette, un pull qui tient chaud. Et vous partez le temps que vous voulez. Si vous avez des enfants, vous les laissez à garder. Ne vous donnez pas des fausses excuses. Mais vous allez vous couper du monde. De votre cuisine, de votre intérieur, de votre ménage, de votre dressing, de quelle paire de chaussures demain c'est lundi je vais mettre pour aller bosser, pour faire bien au bureau, de qu'est-ce que je vais regarder à la télé, putain y'a rien, ça me gonfle, rien, qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram, et qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook, et qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter, et qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube, oui sur YouTube y'a nous, et voilà c'est bon, on arrête, allez bisous. Tu dis bisous? Et bon anniversaire. Et bon anniversaire.